Avion Samaritan Purse qui atterrit sous Tamak aéroport tout seul l'ouverture dans Port-au-Prince jeudi vendredi a gen la donne le total 40 tonnes aide humanitaire parmi yo intrant médical kit alimentaire et latrier deuxième cargaison aide ça qui rive dans pays a sous l'obédience vision pour Haïti et pour le monde via mo pour distribuer par différents victimes ouragan Mathieu dans pays d'Haïti spécialement moun dans grand sud dans grandance nord et latrier. We're bringing it to help out pour nous aider au nom de Jésus Christ, montrer l'amour nous à peuple dans le monde qui a souffri. Il y a été pour 24, aujourd'hui ça a porté 40 tonnes. C'est collection tout le monde dans le monde que Samaritan First et l'équipe baille. Candidat à la présidence, pasteur Maxo Joseph, qui t'a recevoir avion ça, fait connaître avec grand plaisir, il prend l'initiative ça pour arriver porter coller avec victimes dans situation difficile ça que y a vivre journée aujourd'hui. Pour nous, son reconnaissance à bon Dieu, son reconnaissance à secteur protestant à travers le monde, c'est respect nous présenter devant 101 pays qui collaborent, qui contribuent pour permettre à Samaritaine de faire aujourd'hui, bah ici Paul avec les Haïtiens qui ont souffert, surtout dans le grand site. C'est même remarque là tout, pasteur Chavan Jeune lui-même l'y fait. Il y a une commission qui va gérer la distribution d'aide ça pour permettre de rejoindre les gens qui vraiment en besoin. Yo même c'est eux responsable de distribution. Nous accueillons l'avion. Camion nous prend l'aller, c'est eux-mêmes qui débarquent pour la première fois. Ils ont une forme pour remplir. C'est une forme ça qu'on dit nous, combien de familles qui jouent, qui laissent. Nous fait qu'on est pendant tout le mois d'octobre là, Samaritan Purse, en collaboration avec Viamo, pour permettre de plusieurs avions comme ça qui atterrissent dans le pays d'Haïti, dans l'idée pour porter aide aux gens qui sont victimes ou à Mathieu.